Truth is, I'm scared, cause when I see you coming, all I wanna do is tell you that I love you. I know you're better off without me, cause your tears stain eyes make it dark out when you're around me. Like a needle lost in the sand, the ink dried in my... Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, je vais essayer de vous produire une recette que ma maman m'a envoyée. Elle a reproduit la recette d'une fille qui a fait une vidéo sur Instagram. Je vous la mettrai évidemment dans la barre d'infos pour les crédits. C'est une tarte au concombre, à l'avocat. Je vais rajouter des herbes dessus également. Ça a l'air vraiment hyper frais, croustillant à la fois. Et bref, ça a l'air super bon. Et sinon, je voulais vous remercier parce que vous avez été très très nombreuses à reproduire ma recette de 13 feuilletés. Même ma maman l'a reproduite. Donc j'espère que cette petite recette pourra vous donner de l'inspiration également. On va commencer tout de suite en faisant pré-cuire la pâte parce qu'ensuite tout ce qu'on va mettre dessus c'est cru. Donc en plus c'est une recette qui a l'air super rapide et simple à faire. It's not that I think I was wrong for thinking that. It's that my definition of success has changed now. All those things are great, but now if I have all of those things but I'm not happy and I'm not having fun, then I'm not successful. And that's what I believe now. Again, not right or wrong, it's just that I'm changing. I'm in a different place in my life. I have different values and different priorities, and that's okay. I think I resisted that for so long because I was like, don't be lazy, that's lazy. You have to pull the all-nighter, you have to do this, you don't be lazy. But it's not about that. It's about, hey, you are a human that is evolving, and you're in different circumstances. You cannot grow and expect to stay the same. You said I'm out of second chances, and I know that I'm not perfect, and this probably sounds really selfish, but I hate that I'm not with you. I just wish that I could tell you that my this time is the truth. I lost the trust, I understand, but do I have to be that man? It's unthinkable, but Les amis, vous voyez mon vase de tsetse, c'est le vase d'avril avec les petites éprouvettes comme ça. Et bien sachez qu'on peut tout à fait le passer au lave-vaisselle pour le nettoyer, pas besoin de nettoyer avec un goupillon, juste au lave-vaisselle, ça le lave, ça sèche et c'est bon. Aujourd'hui les amis, nous allons au musée d'art contemporain de Lyon. Nous ne l'avons jamais fait. Ce que nous avons fait, c'est le musée des Beaux-Arts qui est magnifique. Les jardins sont très très beaux également. On peut se... Oula, il y a trop de lumière, j'essaie de reculer tant bien que mal. On peut s'asseoir dans les jardins du musée des Beaux-Arts pour lire, pour discuter. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Le petit bon plan lyonnais si vous avez besoin d'un petit peu de verdure. Et donc là, on va découvrir ensemble le musée d'art contemporain qui est près du parc de la Tête d'Or, que je vous recommande vivement si vous venez visiter Lyon. C'est immense, c'est le poumon vert lyonnais, c'est très très agréable. Pour ma tenue, j'ai mis ce petit blazer en lin beige qui vient de chez Naked, ce t-shirt manche courte Georges Reche que j'ai acheté sur Vinted, cette ceinture, à chaque fois vous me demandez, c'est une mage. Le pantalon vient de chez Graines de Malice.
et mes petits mocassins. Regardez, on est presque arrivé au musée. On y allait en trottinette. Bon, déjà, c'est pas bien d'être en trottinette à deux. On est d'accord. Mais en plus, vas-y, mets vraiment ton pied sur la trottinette. Regardez ce qui me reste avec ces grands pieds là. Je fais du 45. Ah, j'ai eu trop peur. Et encore, on n'est pas arrivé. Allez, on repart. Quel démarrage. Yes, c'est bon. Là, nous sommes arrivés à la Cité Internationale. Regardez ce gros nounours, vous le voyez. Enfin, c'est plus un ours qu'un nounours, mais très beau. Marqué ou pas? De quoi? Comment était garé le camion? Ah, c'est drôle. Trop marrant. Ah, il est là, le musée. Ah, bien. Que des gants avec des crayons. L'art contemporain dans toute sa splendeur. On dirait une robe de sirène. Oh, y a la musique et tout. C'est immense, tiens, mets-toi à côté d'un. Regardez. This recurring motif of the red dog, a reference to the isiZulu expression epitomizing anger. Ukwatile uphenduke inja ebomvu. She turned into a red dog. Imigodoi, let me tell you something about Umgodoi. Umgodoi is an overly thin, malnourished dog whose mouth unendingly oozes slimy saliva, a sign of obvious illness related to malnutrition. It is nauseating to look at such a dog, and hence it is chased away in disgust. Nobody bears the sight of such a dog. Umgodoi is an insulting Zulu term for a man who behaves like a mongrel. No matter what, we gon' swallow it. Trust no one when everybody kills in the kid with Bacardi and play to the sexiest model. He gon' say, what's wrong with Harvey? I got 22 steps left till I get to your doorstep. Will you let me rest my head for a moment? I'll let you sit on it.
Et voilà pour le dîner, j'ai fait plein de choses. Déjà, il restait des petites parts de la tarte d'à midi. Ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai fait une salade de concombre inspiration asiatique bien relevée. Et enfin, du riz avec des poivrons. Il restait des falafels également, des crevettes, de la mangue, une petite sauce sympa, de la coriandre, des gomasio, des cacahuètes. Et voilà pour le dîner. J'ai reçu un colis que je voulais ouvrir avec vous. Je crois que ça vient de la part de Flair. Vous savez, Flair, les bodys, j'ai porté le body Gabriel énormément. Vous m'avez vu avec ce body d'innombrables fois. Et en fait, c'est une Troyenne, la fille qui a créé cette marque. Elle s'appelle Clémence. Et comme je viens de Troyes aussi, bah c'est cool. Elle fait ça vraiment de manière éthique. Alors forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Mais comme vous m'avez dit, Marie, propose-nous des marques françaises éthiques, etc. Et bien voilà, je voulais vous montrer ça parce que les bodys j'adore. Et donc ça c'est, yes, c'est exactement celui-ci qui est présenté sur la photo. C'est pas du tout une collab dans le sens où j'ai pas été payée pour présenter ce produit. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Il a l'air trop... Le décolleté est magnifique en cœur. Il a l'air super beau. C'est une matière qui est côtelée, qui est fine, qui a l'air super agréable, c'est très doux. Donc c'est le body Joséphine, je l'ai en taille 36. Je vais aller essayer tout de suite, je vous montre. Il est canon, regardez ça. J'adore le fait que ce soit des bretelles un petit peu larges comme ça sur les épaules. On peut légèrement les faire tomber ou alors on peut les porter bien droites. Mais il y a cette encolure en cœur que je trouve super flatteuse, vraiment très jolie, bien près du corps. Le dos tombe assez bas également. Trop joli, je le vois vraiment cet été avec un pantalon en lin. Bravo Clémence, tu peux être sûre que je vais emmener ce body en vacances avec moi. Et puis bah longue vie à Flair parce que c'est trop cool ce que tu fais. Alors pour ce midi c'est très simple, j'ai fait des épinards avec de la crème de coco, sel, poivre, piment. Et des petites pommes rissolées avec des œufs mollets. Pas hyper coulant, mais on va dire qu'ils sont crémeux. Et toi, tu as du poulet en plus, les protéines. Bon appétit. Yes. Merci. Bonjour, on est dimanche matin. Je viens de me réveiller, de prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. Je me suis fait un petit matcha et je voulais terminer le vlog. Je voulais faire un dernier plan pour vous parler un petit peu de lecture. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé des livres que j'avais lus, ce que j'en avais pensé, etc. Et j'aime bien cette petite séquence dans les vlogs parce qu'en général, après, vous me faites des recommandations en commentaire et j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire le livre que vous êtes en train de lire en ce moment ou les livres parce que comme dirait ma meilleure amie, parfois on a envie de se réveiller avec Marguerite Duras et s'endormir avec Proust. Oh, Bob le petit chien. Bonjour la petite dormeuse. Ouais, salut. Oh, bonjour mon bébé, bonjour. Regardez comme elle est trop mignonne. Vous savez qu'elle est allée chez le coiffeur, chez le toiletteur, je pense pas que je vous l'ai dit. Donc elle est allée chez le toiletteur en début de semaine. Ils ont fait tout son corps et moi j'ai fait sa tête parce que je n'aime pas trop la coiffure, traditionnelle des chiens, vous savez, avec...
les yeux bien dégagés, le nez un peu rasé. Là, je peux vous dire qu'elle voit très très bien. Mais voilà, j'aime pas trop respecter les normes. Alors, je suis sûre que je montre cette coupe de tête à un toiletteur. Il me dit que c'est super mal fait. Mais moi, c'est comme ça que j'aime bien, en mode un peu nounours bébé. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos livres. J'ai terminé depuis un petit moment déjà le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui est un auteur qu'on voit souvent, vous savez, dans des citations. On voit quelques fragments de sa pensée extraite d'une œuvre, mais personnellement, j'avais jamais lu une œuvre entière de Oscar Wilde. C'est pourquoi j'ai voulu lire le portrait de Dorian Gray et j'ai adoré. Je pense que c'est un de mes livres préférés. Le début est exceptionnel avec toutes ces discussions. C'est vraiment des mots de sagesse hyper pertinents qui te font réfléchir. C'est des punchlines à chaque phrase. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. La fin aussi est géniale. J'adore voir l'évolution du personnage tout au long du livre et la fin est saisissante. Je pense qu'on aurait pu se passer au milieu du livre d'un petit peu de plagiat d'autres œuvres, d'autres auteurs. Je ne sais pas pourquoi il s'est perdu dans des descriptions qui n'étaient pas spécialement nécessaires et qui étaient en plus plagiées. Donc très bizarre, mais après ça ne dure pas très longtemps et voilà, ça reste quand même un livre exceptionnel, fascinant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais je pense que c'est un livre qui ne peut pas vous laisser de marbre. Ensuite, j'ai lu, vous savez, j'avais commandé ça, Son parfum de Nathalie Beau, qui est la petite fille d'Ernest Beau, qui est celui qui est le nez qui a créé le numéro 5 de Chanel. Entre autres, j'étais un peu déçue parce que le titre du livre s'appelle Son parfum. Et on ne parle de parfum et on a le champ lexical de... des effluves, du parfum, des senteurs, etc. et de toutes les notes qu'il y a dans un parfum, vraiment qu'à la fin du livre, les 50 dernières pages et encore. Voilà, en fait, je me suis vraiment référée au titre et j'ai pas énormément lu la quatrième de couverture. Donc c'est de ma faute, mais en réalité, ce livre parle uniquement de la vie de Ernest Beau et surtout de sa vie à la guerre parce que voilà, il était au front. Voilà. Derrière le parfum le plus célèbre du monde, le numéro 5 de Chanel, se cache une histoire de guerre et d'exil, mais aussi une histoire d'amour. Alors voilà, j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, génial, sauf que l'histoire d'amour, c'est très très court. En réalité, j'ai aimé les 50 premières pages et les 50 dernières pages de ce livre. Le reste, j'ai bien aimé, ça m'a appris des choses sur la guerre, etc., qui étaient intéressantes. Mais je dois vous avouer que je préfère les histoires d'amour que les histoires de guerre. Mais c'est pas uniquement la vie de Ernest Beau, je dois vous avouer que c'est vraiment partagé entre lui et Ida, qui est sa femme. Donc entre la vie d'Ida et la vie de Ernest Beau, mais rien à voir avec le numéro 5 de Chanel. On en parle un tout petit peu à la fin, mais voilà, c'est par rapport au titre que je me suis sentie un petit peu trahie. Et sinon, je vais chercher maintenant que mon copain est réveillé, je reviens. Et on va aller manger, je termine juste ça et on va manger. J'ai terminé le livre Le Petit Foulard de Marguerite D, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert à maman pour qu'elle le lise. C'est vraiment un tout petit bouquin qui fait moins de 100 pages et qui est pas mal, mais pas non plus exceptionnel. C'est simplement l'histoire d'une amie de Marguerite Duras qui vient chez elle et Marguerite se rend compte que le foulard que porte son amie, eh bien, elle avait exactement le même. Donc finalement, ce livre, c'est plus sur des fragrants de mémoire, sur des ambiances, parfois des assonances, des allitérations, plus sur la beauté d'un texte qui peut être écrit de manière extrêmement simple et pure, parce que cette auteure, Colette, je ne sais plus son famille, pardon, reprend un petit peu l'écriture de Marguerite étant donné qu'elle est fan d'elle. Donc voilà, c'est vraiment pas une histoire en elle-même. Ça te plonge pendant une heure ou deux, ça se lit très très rapidement, dans une ambiance, dans un appartement, donc voilà. Donc c'est sympa, mais c'est pas non plus indispensable. Et là je suis en train de lire, oui vous voyez j'ai bien enchaîné quand je vous ai dit que j'allais me remettre à lire. C'était pas qu'à moitié, je suis en train de lire La famille Martin de Von Kinos. J'étais à la gare pour rentrer à Lyon et vous savez j'ai deux trains à prendre. Le train quand je suis chez mes parents, 2-3 à Paris, ensuite je change de gare et ensuite Paris-Lyon. Et donc j'allais presque terminer celui-ci, c'est pourquoi je me suis arrêtée dans un relais pour regarder ce que j'allais pouvoir lire ensuite. Et je suis tombée sur le seul Von Kinos qu'ils avaient, La famille Martin, j'en suis à la moitié et j'adore, c'est exceptionnel. C'est l'histoire d'un écrivain qui a le syndrome de la page blanche, qui ne sait plus sur quoi écrire, il n'a plus d'inspiration. Il se dit, ok, je sors dans la rue et la première personne que je rencontre, j'écris le livre sur elle, sur sa vie.
Et donc voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est absolument génial, j'adore. Dites-moi quel est votre livre préféré de Fonkinos, d'ailleurs ça m'intéresserait. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit Charlotte. Je n'ai pas lu Charlotte parce que rien qu'en lisant la quatrième, ça a l'air terriblement bouleversant. Pour l'instant, mon préféré, c'est La Délicatesse, mais j'adore aussi La Famille Martin, j'en ai pas lu énormément, donc dites-moi ça dans les commentaires. Je vais aller nourrir la petite Poppy, je vous embrasse très fort, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie dans ce vlog. On se rejoint tout de suite sur Instagram et TikTok, ou sinon, mercredi prochain pour une vidéo très drôle sur ma chaîne YouTube. Bye! Avec mon copain de la vidéo de mercredi en plus.